universités qui est dans 12 pays d'Afrique. En dépit de vos agendas très chargés, vous avez bien voulu rehausser de votre présence en participant à cette cérémonie. Nous vous en sommes reconnaissants, car nous célébrons ensemble avec nos lauréats éminents, parmi lesquels deux membres du gouvernement et trois membres de la société civile. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire que cette présente cérémonie, l'Université Glory International, en partenariat avec l'École africaine pour la paix, ont bien voulu la dédier à l'Afrique centrale et le lieu retenu est la place de Brazzaville, qui symbolise la capitale de l'élite intellectuelle, la capitale de la paix et la capitale de la sagesse. À peine quelques jours, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, venait de présider des cérémonies hautement intellectuelles aux tours jumelles de Mpila et à l'hôtel Le Dier, preuve de l'importance que joue cette belle capitale. Qu'il me soit permis une fois de plus de vous présenter nos éminents lauréats. Il s'agit de professeur Jean-Luc Moutou, de nationalité congolaise, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Docteur Thierry Ghislain Ebome Mangessa, de nationalité congolaise, ministre de l'enseignement technique et professionnel. Monsieur Madou Vincent, de nationalité congolaise, président du conseil d'administration de l'École africaine de développement. Révérend pasteur Félicien Moussa Bimana, de nationalité rwandaise, président fondateur du centre Le Bon Samaritain. Et madame Capine Tekla Bianga, de nationalité camerounaise, vénérable sénatrice suppléante. Leur dévouement et leur accomplissement sont des sources d'inspiration et témoignent de leur capacité humaine à engendrer des changements positifs et durables dans les sphères de leur secteur d'activité. Ce qui nous souligne bien de l'importance de la collaboration entre les institutions académiques et de la société civile pour arriver à faire une coopération palpable, preuve de cette cérémonie. Je tiens ici à exprimer ma profonde gratitude au docteur Alphonse Atimana, président coordonnateur général de l'École africaine de la paix, et au professeur Herman Pal-Empêché, président de l'Université Glory International Afrique, pour leur partenariat exemplaire afin de réussir effectivement cet événement. Ce qui n'est pas un premier cas, comme l'a dit la modératrice, après Abidjan, c'est Brazzaville qui a été choisi pour célébrer cette cérémonie. À vous, très chers éminents lauréats, recevez nos très sincères félicitations pour cet honneur bien mérité. Que cette reconnaissance reste une source de bénédiction pour continuer à exercer vos missions nobles et à inspirer aux générations futures comme modèle. J'en ai dit et terminé. Mesdames et messieurs, merci. Portant organisation des certificats des membres d'honneur, vu la reconnaissance de l'impact considérable sur l'éducation au Congo,
vu la contribution pour le développement et le vivre ensemble. Docteur Biyaka Biyaga Kapintelka, sénatrice camerounaise. Docteur Félicien Moussa Biama, fondateur du centre missionnaire Le Bon Samaritain. Docteur Madou Vincent, président du conseil d'administration de l'École africaine de développement. Docteur Mangessa Ebomé Ghislain Thierry. Docteur Biyaga Kapi Tekla. Docteur Madou Vincent. Docteur Moussa Bima Mana Félicien. Ah, c'est compliqué à dire. Cinq lauréats en l'honneur aujourd'hui en République du Congo pour la première fois. Diplôme décerné par l'Université Glory International. Recevoir une distinction honorifique de docteur honoris causa de la prestigieuse Université Glory International des États-Unis, qui a une histoire et une longue expérience, est un honneur et toujours une raison de fierté et de joie. Je prends la parole au nom des nominés ici présents pour remercier les organisateurs, leur traduire notre émotion et notre joie pour témoigner combien ce geste nous impressionne de rejoindre la liste des récipiendaires de l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par cette université. En effet, Glory International est une université qui est à l'avant-garde de l'offre d'un enseignement à distance de haute qualité et qui a su prendre régulièrement ses marques à la fois dans le monde de l'enseignement que celui de la recherche, contribuant ainsi grandement à la formation des générations présentes et futures. Pour nous décerner cette distinction, le jury de cette université a misé sur un profil portant sur notre engagement et nos réalisations notables dans l'essor de nos domaines afin de reconnaître publiquement le mérite exceptionnel, les succès et l'excellence de nos productions sociales, culturelles,
scientifique, artistique ou humanitaire. Nous vous en remercions très sincèrement. Monsieur le Président du jury, quoi de plus normal pour les commis de l'État que nous sommes, qui n'avons cherché que de nous mettre résolument au travail, à la manœuvre. Pourquoi nous avons bénéficié de la confiance de Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, Chef de l'État, qui n'attend de nous que détermination et abnégation, des résultats probants dans nos différentes sphères respectives. C'est pourquoi c'est avec une profonde gratitude envers le Président de la République que je tiens à m'exprimer pour la confiance exceptionnelle qu'il a bien voulu placer en nous en tant que commis de l'État, en nous confiant la responsabilité de diriger des structures sensibles de l'éducation dans notre pays. Cette marque de confiance a été pour nous une source d'inspiration et de détermination qui nous a poussés à œuvrer sans relâche au service de notre nation et de ses valeurs et qui font qu'aujourd'hui nous soyons gratifiés à travers ces distinctions par cette université Glory International des États-Unis. Singulièrement, en tant que membre du gouvernement, cette distinction, nous la dédions, et vous pouvez l'imaginer, à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État. Et pour cause, mais parce que cet honneur est la sienne et à son gouvernement pour son management engagé et son leadership éclairé. Je n'oublie pas les autres membres nominés à cette distinction ici présents, venus aussi bien du Congo que de la sous-région de l'Afrique centrale, que nous apprécions parce que désormais membres de la même famille et qui se sont distingués sans embâge dans leurs domaines variés. Ceci dit, mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre très aimable. C'est un honneur pour moi d'être honoré parce que parfois nous faisons des actions et nous ne nous rendons pas compte que ces actions sont vues dans le monde entier. Alors recevoir le doctorat honoris causa de l'université américaine Glory, c'est tout simplement un sentiment de satisfaction et ça me permet encore de continuer le travail que je suis en train de faire. Et surtout que quand nous faisons dans le social et dans l'humanitaire et dans l'encadrement de la jeunesse, nous ne pouvons qu'être honorés. C'est une motivation parce que quand vous faites des choses et que la récompense y est, ça vous booste encore à aller beaucoup plus de l'avant. Le message que j'ai, c'est tout simplement pour dire à la jeunesse, parce que je suis jeune, c'est tout simplement pour dire à la jeunesse, ne baissons pas les bras, c'est notre Afrique, c'est notre continent et c'est nous qui sommes la relève et c'est nous qui devons écrire l'histoire. Et les autres qui viendront la liront.